Vas-y. Elle a pas vu ton boule, elle a pas vu C'est ton boule. incroyable ce. Ouais, non, Oh non, il y a Ben ce Beckman, non-style. laisse-moi tranquille. Eh hey, Ce Beckman, non-style. tu me laisses tranquille toi. Toi, Pourquoi? eh hey, Ben Beckman, tu me laisses tranquille. Pourquoi? Parce que t'es mauvais, ton sang, il est mauvais. Tout ce qu'il y a en toi, c'est mauvais. Si vous saviez. Ouais, bah si vous saviez qu'on connaît pas tous les travers de ta vie. Bah, vous les connaissez pas, justement. Ouais, bah j'ai pas envie de les connaître. Bah, moi non plus. Ça va, Ben Pas Beckman, connaître les sinon? vôtres. Ça va, ça va. Madame, les toilettes, c'est dans le commissariat. Bon alors, Ben Beckman, ça dit quoi? Eh, tu sais pas, Caleb, il sort quand? Parce que j'ai un speed dating à faire. Non, je sais pas, je peux aller voir si vous voulez. Ah, merci, Ben Beckman. Ben Barak. Non, mais c'est stylé, Ben Beckman, tu Non, sais c'est Ben qui? Barak. Mais c'est ce qui est Ben Beckman? Je sais pas, moi c'est Ben Barak. Ah, mais tu regardes pas One Piece, toi, t'es nul. Non, c'est éclaté One Piece. Eh bah, va bien te faire enculer! Excusez-nous, on était Je t'ai en dit, il a le sang d'entraînement. mauvais celui-là! Voilà, mais je t'allais toujours dire. Je t'ai dit, madame, vous regardez les mangas ou pas? Vraiment pas. Non, mais le pire commissariat du monde, c'est incroyable! Genre, c'est-à-dire que vous pouvez même pas faire des blagues. Chourou, et tout le monde rigole! Non, non, mais moi ça m'intéresse pas ce genre de blague. 4. Putain, mais vous êtes nuls! Bon, C'est Madame du Cooper, coup. tu connais pas Madame Cooper encore? C'est qui Madame Cooper? Ami, d'y connaît, demande à Ami. Laisse tomber, c'est une meuf fermée sur elle-même. Voilà, on l'appelle au Terminator en course-poursuite. Ouais. Voilà, c'est plus un cardio qu'elle a, c'est une batterie rechargeable à l'énergie solaire. C'est quoi ton matricule, Oh putain, Madame le Cooper? rencard, il est prêt! Oh putain! Vas-y, go! Non, mais attends, on attend Caleb! Caleb, c'est un élément principal de cette formation! Au pire? Ah oui, déjà, on est où dans la formation, nous? Là, ça monte là. Tu bon, veux... allez, les gars! Vas-y, vas-y, mon pote! Eh, qu'est-ce que je veux dire? Attends, en fait, j'ai encore une nouvelle, Hamid. J'ai un bracelet électronique. Non, t'as Je fait te quoi? jure. Quoi? Et T'as un bracelet électronique? ils m'ont confisqué mon téléphone, frère. Pourquoi? Pour une enquête, apparemment, il y a un gars, il a été dire que je l'ai braqué. Juste un gars, il va. Alors, tu rentres au commissariat, tu J'entends mon dis, téléphone cette sonner, mais personne-là, je elle sais m'a pas, elle est braqué, où? tout ça, ils vont l'arrêter, ils vont lui mettre un bracelet électronique. Voilà. Il faut que j'appelle Marcus. Faut lui dire Pour de venir ici. 800 000 pour l'appeler. T'as pas une pince ou quoi, Kefta, pour enlever le bracelet? Quoi? Oh putain. Madame, il À va quoi le sortir. prochain du brocage supérette avec vous? Il va sortir ou quand? Ou pas, madame? Qui? Amit. Oui, Caleb. Frère. T'as pas une pince? Ça, je suis pas au courant. Dans la voiture, je crois, dans le De coffre. quoi? Tu peux regarder qui, vite fait. C'est Mais là, qui? j'ai pas la voiture. Bah, là, il, a, ah, ouais, viens. il est en cellule là, le pauvre. Ah, c'est vrai, voilà. Il a pas fait grand chose. Bah, sinon, c'est j'aurais tout, enlevé allez, les bracelets. Bah, bientôt, je pense. Même ouais, il parle. Va, il parle comme ça. Ça fait Zerma, c'est pas arriver, toi qui Je sais pas, je parle sais comme pas. ça. Déjà, y a même pas. Y a comme s'il si faisait même pas de la Allez, SM. Comme ça, moi, je vais y aller. Vous dites, allez, au revoir, madame. Déjà, il m'accuse de trucs, y a même pas de preuve, y a rien. Moi, j'ai une question, 59. T'as pas 5 000 $ par hasard? Ah, c'est pas 59, c'est McLean. Eh, vu que tu vas mourir bientôt, y a pas moyen d'avoir ton oseille? Comment ouais, ça, ça arrive. je vais mourir bientôt? T'as pas vu ce que je me suis acheté? Ah, c'est bon, t'as un bracelet, ouais, Heda, elle est partie, c'est bon. J'ai 300, tu crois que je vais me foutre en l'air ou quoi? Bah, il te reste qu'une option, ouais. Moi, mon option, tu c'est vas faire de brûler quoi? tout ça là derrière toi, là. De quoi? Ça, 59. Tous les brûler à l'intérieur. Tous les brûler? Sauf le capitaine, bien sûr. Roya? Regarde ce que j'ai acheté là, juste là. Ça m'a coûté Roya, est-ce que notre penses que tu penses qu'un speed dating, je peux me présenter comme ça ou faut que je me change? Franchement, oui. Jack, c'est mieux ton look comme ça que ton look d'avant. On est d'accord. Ah, Kefta, qu'est-ce que t'en penses de ma nouvelle voiture? Oh, est-ce que tu peux me la prêter pour aller au speed dating, s'il te plaît? La dernière fois, attends, je vais te rappeler. Roya, je te passe, je te passe. Roya, tu vas partir. Regarde, je te passe la orange. Je te passe attends, la. Attends. Juste, je te rappelle un truc, tu vas même plus parler, tu vas dire ok, Roya, c'est bon, tu vas partir. Vas-y, je te rappelle ma moto à la plage, ce que t'as fait avec. Ouais, mais on s'aimait pas encore, là je t'aime bien. Comment ça on s'aimait pas là? Bah t'étais de la police, Roya. Je crois que je vais t'aimer ou quoi? Attends, Kefta. John, tu peux me prêter ta voiture pour une soirée, s'il te plaît? Y'a pas de problème. Kefta, c'est bon. Vas-y, je la prends pour toi, c'est bon, t'inquiète. Non, franchement, attends, viens, on regarde Caleb et sort quand quand même. Tu sais quoi? Moi j'ai même plus une thune pour la fourrière, pour rien du tout. Juste donne-moi les frais de la fourrière et tu la prends. Miskin, il fait de la peine, wesh. Excusez-moi, monsieur. Ouais. Est-ce que vous aurez une petite pièce? Vas-y, t'es pauvre, laisse-moi. Oui. Je peux vous aider? C'est vraiment un fils de pute Kefta quand même. Ouais,
serait pour savoir, il est où, Caleb? Caleb? Ouais, oh. Et, aux dernières nouvelles, il est en bas. Ah bon? Attendez, je vais aller voir ça. S'il vous plaît, monsieur l'agent. Restez là, par contre. Allô? Oui, Brian? Ouais, c'est Brian O'Connor, je peux vous aider? Oui, il y a ta future femme qui t'attend. Elle est un? Oui? Elle est un? De quoi? C'est un speed dating ou un super speed? C'est un speed dating qui peut... C'est un speed dating, je t'ai envoyé... Tu peux m'envoyer une photo d'elle d'abord? Non, allez, s'il te plaît, fais-moi confiance. Vas-y, vas-y. Elle est belle. Ouais, mais je m'en fous, sa beauté, c'est ce qu'il y a dans le cœur qui compte. Ouais, mais elle a un très beau cœur aussi. Non, je rigole, bah les couilles de son cœur. Tu faisais ça parce que... Oui, faites la... Ouais, c'est bon. Bonjour, oui, monsieur. Moi, oui, ça monsieur va Kefta. Moi, je vais sur oui, un comment allez-vous pour 5 minutes. Pas de soucis. Ça va, là. Oui, il serait pour savoir Caleb est sort quand. Bah, en fait, le souci, c'est qu'il avait un bracelet électronique. Il avait déjà agressé un agent avec un couteau avec une arme blanche. Mais il sort et pas, là, il a recommencé en prenant l'otage. Ouais, mais non mais, il a donc... des spasmes. Oui, oui. Non, mais vous inquiétez pas, il a tout assumé l'avoué, donc vous inquiétez pas. Ah, il avait donc, pas le choix ce d'avouer. Ce qui va se passer, oui. C'est que vu qu'en fait il était déjà sous surveillance avec un bracelet et que bah il a foutu, il a vraiment fait quelque chose de grave. Bah, je suis dans la phase. Mauvaise nouvelle, bref, je suis désolé de vous le dire. Détention provisoire. Il va devoir, oui, on va devoir le garder jusqu'à le jour de son jugement. Donc là, nous l'emmenons à Bolingbroke à la prison, d'accord? Là, il va à Molenbeek. Là, t'es sûr, tu vas à Molenbeek, là? Non, il va pas à Molenbeek, non. Il va à Molenbeek, c'est pas la spécie. Non. Il va où, là? Il va à Bolingbroke. Ouais, à Bolingbroke. Là, t'es sûr, là? Fédéral. Oui. Oui. Skin. Bah, tu lui diras que sa tata, elle pense fort à lui. C'est tout? Pas de soucis. Bah, vous voulez que je fasse quoi? Je vais pas vous prendre en... Vous avez payé sa caution, là? 10 000, moi, j'ai pas, moi. Oh, c'est 20 000, là. Vas-y, il peut rester 2 ans. Hein. Et ça fait combien, vous? De quoi? Combien? Moi, j'ai 500$. Wow. Ah. $500 au sens de le monde. Hein. Ça paye pas le crème, apparemment. Ah non, ça paye pas. Oh, c'est pas du tout. Bon. Monsieur, regardez, là, je vais un speed dating. Là, je suis beau gosse ou pas pour un speed dating? Je peux mieux faire, mais vraiment. Peu mieux faire. C'est vrai? Pourquoi vous avez tous cette mode de mettre des lunettes de ski, là? Je comprends pas. Horrible. Parce que c'est le flow. Vas-y, on y va, Hamid, et va à Molenbeek. Ouais, il va à Molenbeek, comme il dit. Bonne soirée, messieurs. Vas-y, au revoir, monsieur. Bonne soirée. Vous verrez comment ça va se passer. Bah, la tête d'homme, c'était pas moi qui conduisais. Monsieur Kefta, il est où, votre speed dating, là? Là, j'y vais, là, justement. On y va. Mais c'est avec qui? T'es mort, regardez, celui-là, là. T'inquiète. Regarde. Vous voyez Alba, vous m'envoyez un message? Ouais, vas-y. Si elle est dégueulasse, je te fais une passe décisive. C'est bon? Non, je m'en fous de ça. Non, il a dit s'il y a Alba, on l'appelle, on lui prévient. S'il y a Alba? Oui, aussi. Je crois que c'est elle en plus, hein, je suis pas sûr. Hamid. Si elle est, vous m'envoyez la position. Vas-y. Merci, Kesta. Ouais, je vous de Kamel? Ouais. Kamel, non, j'ai pas son numéro. T'as pas de numéro, monsieur. Les gars, prochain objectif de Kesta, pécho Alba. Ah, vol de véhicule comme ça dans le commissariat. Mais non, mais tu m'as dit, tu me la prêtes? Et moi je roule avec quoi? Ta voiture toute cassée? Bah, monte avec nous, c'est pas grave, viens! On va un speed dating! J'ai mis le turbo, 250 km/h. Vas-y, viens! Vas-y, il est pauvre lui, calcule-le pas! Ah, je vais donner un peu de. Vas-y, fallait rien lui donner, regarde ses cheveux! Il ressemblait à Marcus quand il était plus jeune. Ouais! C'est plus un panneau ça, frère! Il était dans le béton! Oh, si la meuf est demande, je m'appelle Brian O'Connor, ok? Ouais, mais ça patiente un petit peu quand même. Là, j'arrive, c'est bon, deux kilomètres. J'arrive tout de suite. Ouais, bah dépêche-toi parce qu'elle s'impatiente, elle en a marre. Vas-y. Puis on a froid. Vas-y. Eh, je sais pas c'est qui, mais je crois c'est une fille facile. Ça s'appelle comment? Je sais pas encore. Je sais pas, c'est un speed. C'est une fille facile. C'est un speed dating. Déjà, je sais que c'est une fille facile parce qu'elle m'appelle toutes les deux secondes, elle me fait. Je crois que c'est les mains dans la poche là, mon pote. Hein. Ah putain. J'espère pour toi qu'elle en a dans le cerveau au moins parce que. Moi j'en ai rien à foutre. Attends, on va où là? Ouais, j'avoue, t'as raison. Tant qu'elle sait faire à manger le ménage. On va où? Franchement, j'en ai rien à foutre de ce qu'elle a dans le cerveau. À l'église. Non, déjà c'est à l'église. À l'église, ouais, c'est bizarre ça. De quoi?
C'est pas un enterrement. Un speed dating à l'église. C'est pas un enterrement à l'église. Attends, vas-y, c'est pas grave, on va speed dater. C'est pas ta voiture ça. Viens, viens, on speed date. Ah, ouais. Ça va, Captain. Ça va, Captain ou quoi? Vas-y, viens, on y va. C'est parfait. Une entrée fracassante. Vas-y. Ok, Brian. Ok. Mais. Personne. Moi, je t'ai... T'as mis un plan B ou quoi? Elle m'a mis un point P là. Quelqu'un. Point S. C'est là qu'elle te dit je suis dans la voiture. Brian, t'as... Brian. Allô, Brian. Ouais. Ouais, je suis avec Melo, ça, t'es où? Bah, je suis. Ah bah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis avec Melo, ça, t'es où? Ça va quoi, Aya Nakamura? Ça va et toi? Ouais. Bonsoir. Non mais Aya. Vraiment, bonsoir. Oh, putain. Bonsoir. Ça va? Oui. Tranquillement. Ça va, ça va. Attendez, ouais, je me sens un peu. Ouais. C'est vraiment avec cette tenue-là que tu... Allô? Oui, mon pote. Ouais. Je vous dis. Oui, vous dites où? Là, on est à l'église, viens. On t'a laissé la voiture de Khanis devant le commissariat. Vas-y, j'arrive. Vas-y, mon pote, à l'église. Vas-y, à tes suites. Mais là, je suis bien, là, non? Elle t'a pas mis de dos. Dans 5 minutes, c'est bon? Ouais, je te rappelle. Vas-y, à toutes. Chute tes baskets, Captain. C'est juste les baskets. Mais j'en ai un des paires dans le coffre de la voiture. Vous êtes prêts à rencontrer la femme de votre vie, peut-être? Ouais, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Allez, ok, Brian. Pourquoi j'ai peur? Bonne chance, Brian. Ouais, t'inquiète, ça va le faire. Ouais, Brian. Hamid, c'est le contre-maître. Il va vérifier les mensurations. A priori, elle est en train de vous faire une petite danse, hein? Wow. C'est un mec, je te le jure, c'est un mec. Non, vraiment, non, c'est, vraiment c'est un mec, non. C'est un mec, je le tue. Je te jure que c'est pas un mec, Brian. Non, mais c'est une pute. Ça fait quoi ça? C'est quoi ça? C'est une pute? Attends. Laisse-moi prendre prends mes précautions, regarde. Oh, Brian, ça me plairait pas, moi. Non, mais Brian, il est... c'est pas un homme facile, Brian. Elle t'a vraiment fait une petite Brian, danse. Brian. Vas-y, elle fait une petite danse. Vas-y, Brian. C'est Alba? Non. Bah, il y a Alba. Mais non. C'est Alba à droite. Mais non. Enlève ton t-shirt, Brian. Non, non. C'est ma pote. C'est Alba? Ton t-shirt. Non, non, c'est la dame rouge que je vous présente. Hein. Elle, c'est mort, la rouge, c'est mort. Ah ouais, Oh non, bonjour, mesdames. Voilà, ça va quoi? Bonjour, monsieur. C'est ici le speed date? Non, non, mais elle, non, elle, j'en veux pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Elle. Non, non, elle, c'est mort. Mais ça va ou quoi, madame? En gris? Ouais, ça va. Bon, du coup, c'est. Oh, non, le truc gros, il me fait peur là, c'est mort. Mais non, elle est gentille. Je m'en bats les couilles. T'as cru que j'étais la SPA ou quoi? C'est une charoteuse. Non, mais elle a cru que j'étais la SPA. Il est gentil. Non, j'ai dit charoteuse. Elle est. Tu crois que je vais m'en occuper, c'est moi, elle est gentille. Oui, elle est gentille. Hey, tu manges quoi le matin? Des Frolics ou des Whiskas? Ah, mais Brian, moi j'ai essayé de faire quelque chose de bien. Le matin c'est Frolic ou Whiskas? Arrête de faire ça, tu vois. Mais y'a que ça là, comment? Y'a que ça là? Bah je t'en ai déjà trouvé une en 10 minutes, Brian. Mais elle est éclatée, il me faut quelque chose d'autre. Mais comment ça elle est éclatée? Et Alba, viens voir Alba. Mais c'est pas Alba. Alba. Mais c'est pas Alba. C'est Chelsea. Eh Alba, oui. Le lieutenant il... Arrête là, Alba, le lieutenant il est triste. Dégage. C'est pas Alba, c'est pas Alba. Arrête Alba, arrête. Ouais, t'es pas gentil avec Cindy. Bon, tu veux voir ma carte d'identité peut-être? Vas-y Alba, fais voir ta carte d'identité. Vas-y. Parce qu'il y a le lieutenant, il m'a dit si tu vois Alba, tu m'appelles. Aya Nakamura, faut qu'on se parle là. Ouais, vas-y. Vas-y, viens, on se parle. Ça va, Cindy? Ah oui. Dis-moi. Attends deux secondes parce que j'ai envie de parler avec Steel, tu vois. Vas-y. Ouais, donc j'étais en train de dire. Elle est vraiment éclatée au sol, hein. Mais t'as même pas essayé de parler avec elle, rien. Attends, regarde juste la classe que j'ai, sérieux. Je crois vraiment, moi je vais parler avec ça. S'il te plaît, t'es venu en tenue de lutin.
Je t'ai proposé un relooking, tu m'as dit je suis au max, t'es venu comme ça. Écoute, 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 écoute. Regarde-moi ma classe légendaire, ok? Ouais, j'ai ouais. une classe incroyable. Ouais. Est-ce que tu crois qu'une seconde, je vais sortir avec le petit truc en rouge là-bas, là, qui fait peur? Moi, je te dis, regarde, 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 c'est simple. Vas-y, alors, moi, dis-moi tes critères, ça va être plus simple. Moi, j'ai Alba, voilà. Ok. Parce que regarde, regarde, c'est simple, regarde, regarde. Tu sais pourquoi? Parce que le lieutenant, il était avec Alba. Mm-hmm. Et là, il est plus avec Alba. Et du coup, là, il a dit quoi? Ouais, ouais, si tu me trouves Alba et tout, dis-le-moi. Du coup, moi, ce que je veux faire, je veux choper Alba pour que le lieutenant, il me laisse faire ma flika tranquille. Ok. Et donc, tu veux que je t'aide à faire quoi, moi? À choper Alba. Ah! Ah, oh ouais. Comme ouais, ça, ouais. le lieutenant, il est dégoûté de sa vie qui est nulle. Ok, ok. Donc tu veux que je te... Ok, donc je te fais un speed dating avec Alba, c'est ça? Voilà. Ok. Moi, je vais faire un relooking extrême. Non, mais faut vraiment... Non, non, mais par contre, s'il te plaît, laisse-moi ouais. avec le sujet veux... d'Alba, ouais. là. Oh, putain. On te relook. C'est qui, c'est ça combien? Non, non, il est non, non, parce que moi, regarde, regarde. Là, le lieutenant, et là, il a peur. Il a dit, ouais, Alba, nanané, nanana, elle est où? Si t'es avec elle, dis-le-moi. Du coup, moi, mon but du jeu, c'est quoi? C'est de choper Alba, comme ça, le capitaine, il devient fou. Et à la fin, je peux faire ma flika tranquille et je lui dis, attention, c'est Alba, ma meuf. Et il a peur. Mais moi, ce que je veux faire, moi, je vais changer carrément d'identité. Tu vois, faut que je fasse des cours de mitonnerie, des cours de relooking, pour choper Alba. Ouais. C'est mais t'as son numéro, Alba? Alba la pute? Attends. Alba la pute. Mais ça commence mal déjà si tu lui dis ça. Quoi, faut pas dire Alba la pute, N9? Bah non. Non. Je suis pas une meuf que c'est une pute. Non. Je dois dire quoi? Vas-y, on va dire on se connaît pas, ok? Vas-y. Là, on fait la rencontre abonnée. T'es prête? Ouais. Vas-y. Ouais, bonjour, vas-y. Moi c'est Brian O'Connor, ancien bonjour, membre Brian. Du KGB. Ouais, je vous écoute, madame. Ancien membre du KGB? Non, mais la mitonnerie, ouais, mais pas abusé quand même. Non. Oh, faut pas... En fait, Sniper, c'est bon? Ouais, éventuellement. Ah, Mister ouais. Pixel, il l'a fait, ça a marché. Ex-Sniper, c'est bon? Ouais, vas-y, Ex-Sniper, vas-y. Vas-y, Arco, vas-y, go. Et du coup? Ouais, et bonjour. À quel moment? De quoi? Vas-y. Ouais, ça va bien? Ouais, c'est quoi ton prénom, espèce de kahba de chien? Ça non plus, ça ira pas, ça non plus. De quoi? Non, ça non plus, non. Quoi, kahba de chienne, c'est pas bien? Ouais, non. Faut appeler comment? Non, bah, un petit mapuce, vous pouvez lui dire, ou... Moi, pas, appeler mapuce. Moi, Brian O'Connor, appeler mapuce. Tu t'appelles qui, toi? Ferme ta gueule. De quoi? Hein? Pardon? Ouais. Comment? Eh hey, Kifter, retourne-toi, montre-lui ton boule là. Montre-lui ton boule et la meuf. Ferme ta gueule, putain, t'as toujours quoi? Il a mis. Quoi? Pourquoi tu. J'ai rien compris. Non, hey, non. On va où? Bah. Ça y est, c'est fini, non? Bah, t'es fou là, attends, faut que je chope. Et... Roya, t'es pas au courant, toi? Non, je suis pas. Alba, elle est plus avec le lieutenant. Oh. Et le lieutenant, t'as vu quand on est sorti du commissariat, elle a dit quoi? Ouais, si Alba est là, merci de me prévenir. Voilà, donc là, l'objectif final, c'est de choper Alba pour rendre jaloux le lieutenant et pour faire des flécater les gens. Mais choper dans quel sens, Brian? La choper, Zahma, elle dit « Oh là là, Brian, t'es trop beau aussi aujourd'hui !» Ok. Pas choper otage, non, bah non. C'est pas intéressant. Non, c'est... Non, on n'est pas comme ça. Du coup, moi, ce que je veux faire... C'est simple, kahba de chienne, c'est pas bien? Non. Elle me dit déjà ma pite, c'est mort ma pite là. Ça fait beaucoup quand même. Bah, elle a dit tu l'appelles ma pite, je sais pas quoi, jamais de la vie, regarde. Ouais, ma puce, peut-être. Ouais, ou... Attends, c'est-à-dire que ton mec est des ma pite? Non, bah non. Bah attends. Bah, déjà, on est mariés donc on est sur un level au-dessus. Ah, normal, ma pite, c'est le level en dessous. Bah, ma puce, c'est au début, je sais pas. Ma puce, c'est au début, et après, quand t'évolues, ça devient quoi? C'est grognasse. C'est comme les Pokémon, c'est... ça, c'est les gens où il est énervé. Non, mais...
Non mais c'est quoi après C'est bédard, comment ça c'est au début c'est... Bah je sais pas, bébé, mon amour, etc quoi. Et 3 ans après c'est... chérie, ramène la bière dans le frigo, espèce de grognasse. Avec un bon road devant PSGOM. En priant pour que le PSG gagne. Voilà, voilà. Ça, c'est... Par contre, t'as les couleurs de Marseille, mais bon, c'est pas grave ça. Oh, merde. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, non, il va falloir faire quelque chose. Bref, Hello Caleb. Ah, ah, regarde Caleb, il... Non, mais il est où Caleb? Bref, moi, faut un truc avec Alba. Un speed dating avec Alba. Ouais, c'est... Non, ouais, voilà, mais je vais me changer, ça m'a cause tard et tout, et tout, et ouais, tout, tu vois. Ouais, non, s'il te plaît, pas en lutin. Non, mais là, je savais que c'était... Regarde là, elle est éclatée. Mais ouais. Quoi qu'il s'amuse bien l'autre avec elle, hein. Ça, je crois qu'ils vont ensemble, hein. Eh, qui... Ouais, qui se ressemble, ça semble. Ah, on est d'accord, regarde. J'avoue. Et il est heureux, là. Putain. Bref, moi je veux Alba. Moi c'est Alba, faut que je chope pour rendre jaloux le lieutenant. Okay. C'est mon but final. Bah vas-y, je te tiens au courant si c'est possible. Ok. Okay. Bah, vas-y. Allez, salut Brian. Vas-y. C'était bien parce que sur Star Life quand tu faisais la tête. Chelsea, voilà, ouais. Bien joué. Sur Star Life quand tu faisais la tête, le mec est tombé. C'était trop non, bien. Du tout. Ok. C'est bon, t'inquiète. Tu joues, je paye. Ils sont quel... Ouais, t'es mal, frère. Non, c'est bon, c'est bon. Mais attends. Putain. Mais t'es mal, frère. Elle oh, fait Brian, flipper. Brian, elle a dit que tu faisais pitié comment tu t'habillais, elle a dit. C'est quoi ce bordel? Moi? Ouais. Oh, c'est princesse. C'est qui? Ah oui, d'accord, c'est ce promis. Oh, princesse. Disney Pete. Hazard, ni là, oui! Hazard! Mais moi, il y a Jean, il y a les meufs derrière! Oh, c'est princesse! Il voit un mec courir, il m'a chassé, fils de pute! Ah, je suis mort! Eh, vas-y, on y va, c'est bon! Je tombe. Hello! Eh, on y va, on va vendre des armes! Vas-y, go, on va vendre des armes! Attends, parce que moi, il y a mes potes là, ils me font la gueule parce que. Parce bien. Que ça y est, je les ai lâchés 5 minutes alors qu'on glandait au vas-y, taxi. Viens, on va avec eux, viens, on va avec eux. Allez, c'est qui? Bah, je les ai appelés pour justement faire un truc, mais ouais. Ils veulent pas. Ah, t'as pas le numéro à Kamel, mais c'est qui? Ah, j'ai pas de numéro à Kamel. C'est Julien, tu vois, ce qui était là. Ah, attends, qui va où? Ah, Kamel, Oh, Ayana. Ouais, Ayana. Ouais. Alba Lapet. Non, toujours pas. De quoi? J'ai son numéro si tu veux. Ah, Alba? Toujours pas. Ouais, j'ai le numéro d'Alba. Vas-y, t'inquiète, on va faire nécessaire. Vas-y, Ayana, merci. Ayana Kimura. Oh, c'est bon. Oui, c'est bon. Y'a un bidon, il me fait éclater au sol. Voilà. Putain, je suis mon autre Kefta, je suis pas. Oh, je suis mon autre taille la classe que j'ai, croyant. C'est ça qui est inquiétant quand même. Zama l'a jugé elle que t'allais bien avec elle. C'est incroyable. Alors que moi, minimum et. Minimum! Rihanna. Même Rihanna, elle vient me voir, j'hésite. Vraiment. Ah, Zahra, tu l'as fait galérer un peu, c'est normal. Vraiment, Rihanna, Zahra, Riri, je vois Riri sur mon téléphone, j'hésite. Puis qui? Ah, on va dire Rihanna, elle a mon numéro de téléphone et elle m'appelle. J'hésite. Ah putain, t'es vraiment le pire pilote du monde. Ça, tu veux pas rouler, Kefta? Vas-y, laisse-moi, je vais rouler, regarde, t'es le pire conducteur de tout le siècle ah le ouais, dernier. C'est grave, je suis trop nul. Oh, si jamais vous voulez qu'on se fasse niquer, on fait ça. De quoi? T'es le pire, ils sont tes potes, du coup? J'envoie, ne me dis pas que tu fais la meuf qui boot parce que je vais t'enculer. C'est qui ton pote? C'est Djibril? C'est Djibril, regarde? Allo? Alors, regarde, quand il est comme ça, tu peux l'insulter. Oh, fils de pute! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah merde! Pardon? Ouais, c'est qui? C'est Julien. Julien? Ce taxi, vite fait, pas ce taxi. Attends, on va réparer la voiture, quoi, rien. J'ai vous?
Ça nous vire, mais y'a personne. C'est grave, hein. Tu veux arrêter de klaxonner, s'il te plaît? T'es abusé? Vas-y, reklaxonne un peu, peut-être qu'ils ont pas assez entendu. Attends, je vais essayer d'appeler Marquez. Tu vois, ça vire, mais y'a personne, c'est grave, ouais, hein. C'est impressionnant. Tu vois? Zama, ouais. Ouais, vous êtes jamais là, bah regarde, c'est bizarre, y'a personne là. Hein? Mais bien Hamid qui est tout le temps là. Tiens, Marquez, il est pas là, c'est bizarre quand même. Putain, y'a personne. Il répond pas à ton pote? Wouah, les yeux. Oh, j'ai assez de peur, frère. Je vais dormir. Bonne nuit, Yarod. Sunper, frère. Oh, vous m'entendez, les gars? Ouais. Allô, la population de cette ville? Pas une question. Je sais pas. Vous, taxi, vite fait. C'est où, les taxis? Gauche. Ah, c'est... Ah, t'en rappelles, c'était... Avec Vera, là, t'en rappelles, rien? Ah, ah, c'est fils de pète, la Vera, là. Liam, Vera, c'est la soirée aujourd'hui. Parce que j'aurais voulu le... Oh, mais ce qu'est... Eh, tu t'en rappelles, Vera, il était là. Ouais, les gars. Tu te rappelles Vera quand il a pris un random miskin, il lui a coupé les cheveux. Elle a dit tiens c'est Vera. c'est un coup magique. C'est un génie. En fait de toutes les personnes que tu me parles c'est des génies en fait. Ouais. Tu sais il m'a dit quoi Vera? Alors comme ça vous avez gâché ma vie, toi, Djibril et Kefta, hein, vous avez ruiné ma vie. Et après il est mort. Et nous, on est là, on flex. Mort comment, il est mort comment? Je sais pas. Et nous, il rajoute encore des problèmes. Je sais même pas comment, il est mort, c'est là. Ah, il s'est pris des balles par le capitaine et le lieutenant. Oh, il est mort. Pourquoi il est mort par des balles? Il a fait quoi? Parce qu'il a essayé de me tirer dessus. Et il m'a blessé, cet enfoiré. Ah merde, putain. Il t'a juste blessé, ça va. Une blessure contre un mort. Salam! Le fils du poulpe. Ça va quoi les gars? Eh Julien, quand je t'appelle. Ça va, tranquille. Tranquille ou quoi? Là, je comprends pas. Bah en fait, tu m'as appelé 4 fois d'affilée, j'ai raccroché 4 fois d'affilée parce que je suis occupé. Ah ouais? Tu fais pas le même coup que la dernière fois là. Ça va quoi? Attends, pourquoi t'es là, t'arrives là en mode de coup de la dernière fois, je sais pas quoi, si t'appelles et qu'il répond pas parce qu'on est occupé. Oh. Non mais j'appelle Julie en fait, y'a pas de messagerie malheureusement, y'a pas de je suis occupé, désolé. Bah si, il te l'a dit frère, il te l'a dit, là qu'est-ce que tu fais? Tu viens ici en frère à main pour faire le bandit là, si t'arrives. Mais t'as pété un câble ou quoi? Bon allez, Jack, c'est pas grave Jack, tu vas dormir, t'iras mieux. Et oh, Julien, du coup, quand je t'envoie un message, pourquoi tu fais ça? Je me prends pour ta putain ou quoi là, Mais non, mais parce que t'as changé, t'es pas le même. D'ailleurs, j'ai essayé de te sauver. Arrêtez, JMT, il a dit on est tous les mêmes. Vas-y bref, tu veux quoi là? J'aime t'es, il est gentil, il est avec Léa et tout. Pour savoir s'il voulait qu'on fasse un truc. Il était. Ah, tu veux faire tout ça ensemble, on voulait faire un truc tout ça ensemble là. Mais Caleb, quand je te dis je suis occupé. Ah, je kiffe trop son accent, allez. Oh, Caleb. Oh, Caleb, quand je te dis que je suis occupé. Ouais, lui, je vais l'enculer. Arrête, c'est moi, désolé. Merci pour le là je suis occupé là pour le moment, je peux pas disponible. On pouvait peut-être vous aider à faire un truc, je sais pas. Non c'est bon, t'inquiète pas pour nous. Vas-y. Non t'inquiète Caleb, y'a pas besoin d'aide, Caleb, je suis pas disponible pour le moment, je suis en train de faire des papiers. Des fois ils ont des faces bizarres des fois. Non mais moi je sais, en fait ils étaient en train de faire un truc, mais vu que t'es avec nous, ils disent non on est occupé. Mais on peut vous laisser, Vas-y, Caleb, on te laisse avec eux, tranquille. Non, ça n'a rien à voir. Force à toi, Caleb. Vas-y, mon pote Caleb. Prenez-le avec vous, franchement. Vas-y, viens, Caleb, va avec eux, franchement. Vas-y, viens. Mais tu leur as fait quoi, Roya? Je sais pas, justement. Des fois, tu sais, le cerveau des gens, il est pas clair. Genre, il faut pas comprendre. Y'a un truc, on est d'accord, là. Genre, des fois, les gens, ils sont bipolaires, je sais pas, je comprends pas. C'était Osgore, j'ai pas vu. On se posait la bonne question, frère. Bah la bipolarité ça touche beaucoup de personnes hein, de la vie. Tout à l'heure c'était mes potes de l'année et là d'un coup comme ça... Ah, tout à l'heure c'était tes potes de l'année? Et oui mais vraiment c'est comme ça tout le temps en fait. Vraiment c'est... Pourquoi? Ça fait des phases bizarres en fait. Vas-y non, bonne nuit frérot. En fait j'arrive pas à comprendre en fait.
Mais non, c'est parce qu'on était là, c'est pour ça. C'est ça. Je pense qu'ils font des trucs pas très halal. Et vu qu'ils veulent rester dans l'anonymat. Eh bah voilà. Non, laisse tomber. C'est sérieux, en plus l'autre, là, le mec, là, le Jack, là, il a changé complètement de... C'était plus la même personne, là, il a filmé, il a dit, ouais, quand tu dis comme ça, il est jamais comme ça. La vie de ma mère, hein. Ah ouais. Donc je laisse tomber. Non, laisse tomber. C'est lui qui décède, Roya. Mais je te dis, c'est parce qu'on était là. Il te prend pas la tête, Roya. Eh, dis-toi juste un truc. Les meilleurs amis d'aujourd'hui seront les meilleurs amis de demain. Demain, t'as tout dit. Ouais, demain c'est oublié, c'est toujours comme ça. Oui, c'est comme Zahma. Tu vois, dans les feux de l'amour. Les gens ils s'aiment pas. Les gens ils s'aiment pas. Tu vois. Et après, avec le temps, ils s'aiment bien. Tu sais pas pourquoi, c'est regarde, comme ça. Regarde-moi avec monsieur Véra. C'est comme ça. Au début, il m'aimait pas, je l'aimais pas. Aujourd'hui, bah maintenant il est mort. Ah oui, et tu l'aimes bien maintenant. Véra, non, c'est un fils de pute, j'ai jamais aimé. C'est vrai que j'ai déterré ses morts parce qu'apparemment ils l'ont enterré avec 140 000 $. Arrête tes conneries. La vérité. C'est de savoir, il est mort où là, ce bâtard. En fait, on l'a déterré, mais il y avait déjà quelqu'un. T'as vu ou pas, Kifta? On l'avait déterré, mais il y a quelqu'un qui l'avait déterré avant. Comment ça? Bah, ça tombe. Attends, et qui après la. On sait pas, mais il y avait un trou. Le vélo, il coûte cher. Non, c'est un BMX, ça coûte que ça. Ça coûte cher, regarde. Si, ça coûte cher. Décale. Pas tout de suite. Décale. Merci beaucoup Max pour les 6 euros frérot. Excuse-moi. Tu veux quoi man, ouais. Ça va ou quoi mon pote? Ouais. Descends de ton vélo, c'est à moi. Descends de ton vélo. Man, c'est le mien. Ouais bah je te l'ai volé. Man, arrête. Si, c'est non. À moi. Allez les gars, go. C'est pas bien. Il pleure. Oh, le pauvre, viens. Il est où? Il va appeler les familles, c'était moi, il parlera déjà. Il est parti pour tes plaintes, nous. Tiens, faut pas pleurer, tiens. Mais pourquoi tu pleures? Mais non, faut pas pleurer. Oh. Doumé. Pleure pas, man. Ouais. Doumé, t'as pas le numéro de Kamel par hasard? Non, toi. Tout. Pas de soucis. Attends, ralentis. Non, ralentis. Ralentis, on va essayer de choper Rodriguez. Vas-y. Fais marche arrière. Ça, viens, je te laisse rouler, tiens. Vas-y. On va le niquer. On va le choper et on va le prendre dans un camp pour le niquer. Vous êtes prêts ou pas? Vous êtes prêts à assumer l'acte des conséquences? Non, mais vas-y. Et les portes où? Partout, c'est top. Ah, peut-être à gauche, il a essayé de nous contrer? Ah, peut-être. Tu as essayé de nous brain. Mais non, on la contre, Kefta. Eh, bien joué, Kefta. Et là-haut, tu le vois? Non. Mais attends, pourquoi il a léché les cœurs? Ouais, Rodriguez. Ouais, attends. Hayat, arrête. Ça va, petite dit, balance? Hayat, arrête, je t'ai dit. Attends, je vais arriver. Merde. Attends. Place d'équipe, je te baise. C'est bon, place. Viens, on parle. On va parler, place d'équipe. Viens, on parle comme ça. Je t'attends, j'y suis. Vas-y, Théo, place d'équipe. Devant la banque. Vas-y. Ça va, Théo? On a rien fait! C'est pas nous! C'est pas nous les gars! Arrêtez-vous! J'ai le nom! Hey, c'est Rodriguez qui a fait ça, je vous l'emmène, il est là! Vas-y, Rodriguez comment? Il est là, juste là, venez! Rodriguez comment? Là, la voiture Azteca, c'est lui! Hey, bouge pas! Arrête-toi! Mais c'est quoi qui se passe? Bouge pas! Merci Zertop! On l'attrape! Donc là, on poursuit un mec qui nous poursuit, Pete. En fait, là, les vers ils nous poursuivaient nous, et on envoie la poursuite des vers sur lui. Comme ça, c'est lui qui se mange tout. Là, les vers ils croient que c'est lui qui a essayé de voler la voiture des autres. Il y a l'intelligence! Génie! Arrête-toi!
Arrête-toi! Il était bleu qui nous poursuivent, du coup. On est vraiment. Eh, mais barrez-vous! Barrez-vous! Arrêtez-vous! Mais non, faut... les gars, arrêtez-vous! Mais non! Non, je croyais ça la vérité! Ok, ils ont la vérité. Ouais, je croyais ça la vérité. Et non, on a plus faut de voiture. Faut qu'ils féminisent. De quoi? Le problème, c'est les chats pourraient se faire péter après par les Aztecas là. On passe par là. Normalement, la course poursuite, c'est nous qu'on la gagne. Ok, y'a qui en face? Rodriguez. Comment ils savent se retourner sur nos dingos? Mon dieu, on est dans les merdes. Je pense qu'on est dans la merde. J'arrête les mains. Non, en vrai, non, ça va. Putain, il a déjà nous balance le petit. Il a déjà dit non, c'est pas les Aztecas, c'est les autres. Mais c'est les autres cons et tout. Putain. Ah, vas-y, Kefta, je prends toi. Ah, mais le problème, c'est que la voiture elle roule pas en fait. Là, je les aurais mis à l'amende depuis longtemps. Kefta, le brain, Kefta. Mais elle roule pas. Ah mais c'est pas le pilote qui fait, c'est pas la voiture qui fait le pilote, mais le pilote qui fait la voiture, Kefta. Pilote qui fait la voiture, le volant et le siège. Roya, donne-moi une Citroën C3, mais donne-moi une C3 pluriel. C3. Merci pour les 2€, Kevin. Merci beaucoup, frère. On est bientôt à 2500€, les gars, aujourd'hui. Incredible. C'est beau. De quoi? Avec du rof à l'intérieur. Ouais, j'ai des sortes de destruction de derby là ou quoi? Il a vu de ma mère. Viens mon pote, viens. Mais pourquoi tu m'as dit de venir? Mais il est con. Viens. Mais laisse-moi tranquille. T'es où? Je suis là où la lumière ne rentre pas. T'as compris? Nounou, guide-moi. Je suis là. Où c'est? Où l'aurore ne puisse rentrer qu'en août. Non mais t'as pété un câble ou quoi? Vas-y, t'es où là? T'es sûr que t'es pas suivi? Non, sûr et certain, t'inquiète. T'es sûr et certain? Sûr et certain, la vie de ma mère. Vas-y, on va une pause. Vas-y, je suis dans un conteneur, ok? Vas-y. Tu me rends dedans, hein? Je suis pas à gué? Il est où? Oh, faut trouver le conteneur maintenant.
calculé. J'ai... Je crois qu'on a un problème. Pardonne-moi. Je crois qu'ils ont chopé Hamed. Je crois aussi. Je crois qu'il était derrière Hamid. Et quand il est sorti, je crois qu'il est. Regarde, t'as assis sur quoi? Mais là, je suis assis par terre, là. Tu vois pas? Ah oui. Je suis assis par terre. Ouais, je peux te poser une question? Oui, quoi? Merci, Praline, frérot, pour ton deuxième mois. Pourquoi c'est toujours Hamid qui prend pour nous? C'est pas Hamid, c'est... sa vie, c'est de la merde. Je te jure, la vie à Hamid, elle est nulle. Hamid, je suis triste pour Hamid. Tout le temps, il se fait attraper pour nous. Guide comment je suis, guide la dégaine. Regarde, j'ai un plan. Oh mon dieu, la neige, elle me pique. J'ai un plan, ouais, moi aussi. Regarde, j'ai un plan. Je suis ouf. J'ai un plan. C'est quoi le plan? On va faire Zerma, on est des parrains de la drogue et que l'otage qu'ils ont, on a besoin de lui. On se change alors. Vas-y, go. Waouh, par contre, le soleil, c'est comment là, la lumière là? Ouais, j'ai mal aux yeux, moi je te vois plus. Oh, wow, y'a un problème là. C'est quoi ce délire, toi aussi? Regarde avec tes yeux, putain, ça passera mieux, t'inquiète. Là, ça nique les yeux là. Ouais, regarde avec tes yeux, t'inquiète. Je regarde avec mes yeux. Vas-y, viens. Ah, c'est quoi cette lumière là? C'est normal? Ça nique les yeux, je te vois pas, hein. Tu sais que moi je me suis mis en première personne. Oh, j'ai regardé les yeux. Ça nique les yeux. Oh mon dieu, je vois rien du tout. De quoi? Non, par contre, c'est grave là, Kev, j'ai trop mal aux yeux. Moi aussi là, y'a un problème, non? C'est tout le monde? Bah, je pense que si c'est toi et moi, oui, je pense que c'est tout le monde. Du coup, on fait comment? Là, je te dis, j'ai pas envie de bouger en fait, en vrai. Hein? J'ai pas envie de bouger, ça pique trop du fou en fait. Comment ça pique trop? Ça pique trop la rétine, le reflet du soleil sur les yeux. Ouais, mais on fait comment là, Roya? Bah, je sais pas, on court et on ferme les yeux. Hein? Dis, on court et on ferme les yeux. C'est quoi ce délire? Viens, on court à la fourrière, on récupère une voiture. Vas-y, va. S'habiller, on va. Débug, mais non, ça. Je sais pas pourquoi c'est tout. Mais non, Zarno, c'est les gars. D'une certaine distance, tu vois plus. Là, regarde, on voit rien là. Le post-apocalyptique là. Attends, je reviens, j'essaye un truc. C'est quoi? Vous pensez que c'est ça? C'est quoi qui fait ça? Ça vient du serve, hein. C'est parce que t'as trop fumé. Bah ouais. C'est juste le script qui fait ça, ça va partir. C'est quoi le script? Tu vois, il y en a, ils font des théories. Ouais, c'est parce que tu restes trop longtemps sans bouger. Du coup, ton personnage, il a froid. Minos, mais une best. Mais une Quechua! A votre avis, ça marche? Sur Flashland, ils font comme ça. Il s'en bat les couilles! Ouais, c'est bon. Pere. Merci la brute, frérot, pour les 6 euros. Merci infiniment la brute. Tape son capot. Mais non. T'as pas le pack gravé? Non, moi j'installe plus de packs bizarres.
J'installe plus de packs bizarres là sur mon ordi, c'est fini. J'installe plus rien sur mon ordi. Des packs graphiques, des packs chelous, des packs bizarres. Non. Rien. J'ai enlevé 2 téra de conneries sur mon PC, c'est pas pour en remettre. Giovanni, merci beaucoup frérot, merci beaucoup ton frère, un sub à Samy Twitch, Giovanni. J'ai pas remercié les subs, en attendant Hazard, on va remercier les subs quand même, parce que ça fait un moment que j'ai pas remercié les subs. Merci à Billy, merci à Efak, Kekra, Smile, Enzo, Yemsi, qui offre un sub à Temportac, Zertop, Praline, Giovanni, à Shadow qui prend son prime, merci beaucoup, merci beaucoup. De quoi ? Dis, ça va mieux, putain. Ouais, c'est mieux là, c'est mieux. Mais c'est trop stylé les lumières sur le bâtiment là. Moi j'aime bien, c'est stylé. Mais le problème c'est qu'il y a que ici que c'est fait. Ah, dans ce secteur de la ville. Kefta, tu connais FIFA ou pas ? Ouais, je connais FIFA, mais là en ce moment je connais Pékin Express, regarde. Ah ouais ? Ouais. Ok, ouais. Ok. Bah, j'allais te proposer un petit truc, tu vois. Là, regarde, sur Pékin Express, là, il se passe des trucs, mon pote, je t'ai pas prêt. Crash, crash dans mes mains, crash. Crash dans mes mains. Vas-y, crash dans mes mains. Vas-y, crash. Putain, oui, ça marche pas. Je suis rendu à 4 TO de conneries pour les jeux. Mais moi j'ai un 3,63 Tera. Mais là, il faut que je prenne un SSD 1 Tera, sa mère. Je vais prendre un SSD 1 Tera avec la 3080. Et les composants que j'ai là, je vais les garder pour un deuxième PC, du coup. De quoi ? T'as dit quoi, Roya ? On sait où ils sont, les familles. Ah oui, je sais où ils habitent. Bah vas-y, on va chercher Hamid. Mais Hamid, bizarre, il répond pas, il a pas appelé. Tu vois, normalement, il nous aura appelé, je pense. Scénario, je t'explique c'est quoi le scénario. Le scénario, c'est on est la mafia russe. Ouais. On est la mafia russe et on vient récupérer. Oh, le 4-4, j'ai moins qu'il est ouvert. Le 4-4, j'ai moins qu'il est ouvert. Ça fait tellement mafia russe. Putain. Putain, genre tout le monde pense à fermer ses voitures. Ouais, moi aussi j'ai un SSD 250. What? T'es qui toi? Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Bah c'est toi qui a monté dans ma voiture. Ah merde! Mais c'est ma voiture, monsieur, mais vous êtes complètement fou. Ah, mais par vous contre... êtes complètement fou. Ferme ta gueule, couteau sur la gorge, descends fils de pute. Descends. Moi je suis fou. Comment ça je suis fou? Allez. 599 601 si tu veux récupérer ta voiture. 599 601, mais j'ai pas une mémoire de fou. Attends deux secondes, je reprends mon téléphone. Vite fait, on va fake les familles et qu'une mafia italienne, on te la rend. On fait la mafia russe là. Mais s'ils retrouvent ma voiture, ils vont me fumer, je suis mort. Non, t'inquiète. C'est quoi ton nom? Comme ça, on leur donne pas. Je m'appelle Mike. J'avoue, t'as réfléchi. Les cartes d'identité. 599 603, tu m'appelles, ok? Le 22-22-50. Ouais, 599-601. 603, et là, on va voir les familles, on va faire semblant. Attends, on... répète, j'écris. Eh, vas-y, monte dans la voiture, monte tes noms. Y'a que deux places? Bah, tu montes dans le coffre, j'en ai rien à foutre. C'est lui, monte dans le coffre. Mais bah, vas-y, on se casse. Mais c'est bon, d'accord. Monte dans le coffre. Eh bah voilà. Bon, toi dans le coffre, je t'explique un peu le plan. Il y a les familles, ils ont notre ami en otage. Hamed. Hamed Raven. Djeko, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire semblant, on fait partie de la mafia. Et quelle mafia on fait? J'ai un meilleur plan, si vous voulez, j'ai un meilleur plan. T'as quoi? Bah, je suis policier. Yo, dans la poubelle, descends, je te mets dans la poubelle. Allez, vas-y. Comment ça? Non, on a pas besoin de la police, regarde. Je suis pas vraiment policier, je suis anciennement policier. Ah, t'es un ancien? Bah vas-y, c'est bon. Et les plus policiers, ils doivent connaître les accents. Voilà. Ah, il a... Ah, Hamid, il est à l'hôpital. Il y a un keuf à la poubelle. Mais ma voiture. Bon, vas-y. Attends, je lui dis mon blaze, attends. Caleb Kern recherché pour multiple meurtre, tu peux rajouter ça dans mon dossier. Allez, nique les polices. Oh, j'ai une idée, viens.
Il a une idée. Elle a quoi comme idée? Je sais pas, attends, on va lui proposer qu'il nous propose. Dépose-moi au... J'ai une autre voiture mieux, dépanneur. Viens. Enfin, pas dépanneur, fourrière. Vas-y. T'as une voiture mieux pour nous? Ouais. Non, t'as une voiture mieux pour toi. Nous, on va récupérer notre ami. Il est à l'hôpital. Ça dépend de la meilleure voiture qu'il nous propose. Tu vois, peut-être... C'est une Shafter V12. Il donne ça, donne. Oh, t'as une Shafter V12, toi? Ouais. Oh, t'as une Shafter V12. Ouais. Allez, donne le Shafter. Hop là. Lui, il a une Shafter V12. Et ça, c'est bien comme ça, on va voir les familles, je leur dis, hé hey, C'est une Shafter V12. Vas-y. C'est pas une Shafter V12, ça. C'est pas grave, c'est quand même une Shafter. Ouais, c'est une Shafter V1, mais c'est quand même bien. Ouais, c'est vrai. Vas-y, mon pote. Bon après-midi. À toi, c'est... Caleb Kirana, si jamais. Ça va, il nous passait une voiture. Je savais pas qu'il y avait des gentils policiers dans le monde. Ouais, après t'inquiète pas, mon jugement. Tu viendras à mon jugement ou pas? C'est quand? Ils m'ont dit, je vais peut-être prendre 30 jours du C. 30 jours. Ah, quand même! Ouais. T'as tué un chat ou quoi? T'inquiète. Non, mais j'ai. Toi, t'es. Là. Ils ont un dossier, je t'ai dit, il fait 25 pages, la vie de ma mère. Ouais, c'est beaucoup quand même! Elle est à l'hôpital. Ah, Hamid, je te jure, ça fait 3 fois que je le récupère à l'hôpital aujourd'hui. C'est incroyable. Ah, écoute, Sa vie, elle est nulle. Je te jure, sa vie, elle est nulle. Et tu nous racontais, hein. De quoi? Ça fait 4 ou c'est pas une Shafter V12, hein. C'est vraiment de la merde, la voiture. Non, c'est une Shafter V1, mais elle est nulle. Elle est éclatée au sol, Roya. C'est vraiment nulle. Ah, comment elle est... Regarde, elle avance même pas. Ma primo, elle va plus vite, je te jure. Phoenix, ça va plus vite encore. Allez là. Oh la Phoenix. Tu pourras plaider non coupable pour moi, s'il te plaît? Ouais, bien. Même si j'ai rien vu, je vais dire que t'es non coupable. Genre, on dira ouais, il était à l'appartement, il dormait. Non, tu... non, viens, on joue la carte du racisme, ça passe des fois. Ouais, racisme, non, racisme. Ouais, non, on dit ouais, ils sont racistes, c'est tout, c'est parce que ça s'appelle Caleb, c'est pour ça. Des fois, ça passe. Que Caleb, c'est un nom américain avec un C. Ah ouais? C'est une fausse identité. Tu sais, quelques lettres près, ça veut dire chien. Eclipse. 6 heures de live, GG. On a fait 6 heures déjà? Incroyable, wesh. On a commencé à quelle heure le live? De quoi StarTech? C'est pas une série StarTech? Je sais pas, c'est Wakanda qui m'a appris. C'est qui Wakanda? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Pokémon Wakanda? Tiens. Waouh. Capitaine, the perfect man and the perfect city. Dites-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va, capitaine? En tout cas, ça se voit que vous regardez pas le physique, ça, bravo. Ça va. On en parle de vos agents de police? Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, on est pas votre agent de police raciste. C'est ma copine. Ouais, c'est ma copine. Pourquoi? Ça fait quoi? Bah c'est bien, c'est bien. Non, comment t'as cru? Bravo. Venez, on essaye de faire comme la scène dans Hit. C'est quoi? Ouais, la scène avec Al Pacino et Robert De Niro. Quand Zama ils veulent l'attraper et ils sont là. Ouais, quand tu vas faire un braquage, sache une chose. C'est que je te vois pendant le braquage, je vais pas hésiter. Et moi je vais dire, ok, tu sais quoi? Eh ben moi quand je vais faire le braquage, c'est la seule chose que je sais faire. Et sache une chose, c'est que personne ni va fermer la porte entre moi et le braquage. Et va se passer ce qui va se passer parce que je suis un professionnel. Ah, j'ai fait ce qu'elle a dit. Pourquoi vous racontez votre vie? C'était archi long, putain. Ah, il a fait une histoire. Ouais, tu peux fermer ta gueule vers là-bas, la calvitie, là? Oh, ferme ta gueule d'abord, ouais. Ah, t'as de la chance, c'est le capitaine. Et en plus, t'as une vie de merde parce que t'as une grosse calvitie. Je te jure, je t'aurais fait la misère. T'as une calvitie, mon pote. Écoute-moi bien, Mr. V, là. Attends deux secondes, y'a ta daronne, elle m'appelle. Allô, la daronne au mec devant moi. Ouais, hôpital. Ouais, j'ai tué la daronne au mec devant moi, j'ai tué. Je suis contre les victimes. Ma daronne, elle est morte, monsieur. Attends, deux secondes. Et moi, j'ai pleuré. Oh, monsieur le capitaine, vous dites rien. Pardon, monsieur le capitaine, il a tapé la femme au commissariat.
Vous dites rien. Oh, l'agent de police, elle a les bras croisés. Bravo la police, bravo. Vous avez les jambes. Bravo la police, bravo la police qui reste les bras croisés à regarder une pauvre dame en train de se faire taper par son mari. Mais déjà, c'est pas son mari. Kefta. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Faut qu'on aille m'acheter des habits, j'ai froid. Vas-y, viens, on y va, frère. Allez, au plaisir, monsieur le capitaine. Allez, au revoir. Vite, vite, j'ai froid. Oh, calvitie. 599, 603, fils de pute, je vais te niquer en un V. Il y en a de quoi? C'est quoi de ces chiffres? 603 pour que je te gomme. Attends, attends, c'est une voiture de police. Attends, j'ai pas vu. Ah, t'étais pas volontaire. Je crois que c'est... Je sais pas si c'est quoi le pire entre moi qui monte de deux, comme si c'était ma voiture. Mais je pensais que c'était la nôtre. Mais t'as coup de pression féminise. J'ai pris un coup de pression, ouais. Ils t'ont tapé? Ils m'ont tapé, apparemment t'as volé de l'argent au petit. Quoi? Apparemment tu lui as volé son vélo et tu l'as racketté. Oh le fils de pute. Non, on n'a pas volé de l'argent. Attends, 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 y'a Bomberman derrière. Vas-y, viens, on va se taper là, ça va, vas-y. Allez, viens, on va régler ça comme des hommes. Devant ta meuf, hein, j'en ai rien à foutre. Ça va, Ellie, ça va, c'est qui? C'est ta cobaye? On est tous les deux d'accord. Son ami, son ami. Vas-y, c'est viens. Quoi? Mais pourquoi tu me jettes des boules sur moi? Parce que t'es moche. Tiens, Ellie, mon ex. Ah! Arrête, attends, pause! Attends, Elvis Presley. Attends, j'étais pas prête, ta race! Vas-y, bah. Non, attends, attends, voilà. Ah ouais, t'as voilà, 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 voilà. Mais non, mais vas-y. Oui, oui. Pourquoi ils sont là? Ah ouais, merde. Il est con, ce mec. Parce qu'en fait, elle a des voilà, quatre fois. De quoi, voilà. Il a fait ma mère, il a fait seul. Il t'a éteint. Bah avec un couteau, ça, je l'aurais éteint. Oh, voilà. Attends, attends, voilà. Attends, il y a utilisation de l'arme, on est d'accord. Voilà. Moi j'ai plus de recherche. Il y a utilisation d'armes, on est d'accord, il y a utilisation d'armes. C'est pas fair play tout ça. J'ai plus d'armes, voilà. De toute façon, je peux plus rien faire. Écoute-moi bien toi, d'où tu tapes mon pote Kefta? Voilà, attends, mais... Attends, désolé monsieur, je vais vous soigner. Plante-le. Ah, il est médecin, c'est bon. Ah, il est... Ah, ok. Ah ouais, ok. Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, on va le ramener, le pauvre. Il va mal, quoi. Il est ramène tes collègues. Oh, oh, en fait, je me suis trompé. Je voulais prendre une boîte de neige. Je suis désolé, vraiment. Ah ouais. Je crois que je le nique à sa mère. Bon, franchement, t'as de la chance. Et on vient de me saisir mon couteau, hein, la vie de ma mère. Ah, tu m'aurais planté? Franchement, oui, dans une vie où j'aurais un couteau, oui, je t'aurais planté. Mais là, je n'en ai pas, du coup, je l'ai pas fait. Putain, trop stylé. Vas-y, bien. Monsieur, vous pouvez me soigner s'il vous plaît? Ah ouais, il y a un hélicoptère, attends. Il a glissé, monsieur. Vous pouvez me soigner s'il vous plaît? Bébé, tu peux t'écarter un petit peu si tu veux. T'inquiète, t'as pas de soucis. C'est vrai, on visage. Ça va bien. Ah putain, je n'ai marre de ma vie, putain! Eh, toi, la kahba de chaîne, je vais commencer par toi. Comment tu parles? Comment tu parles? Vas-y, lève-toi. Attends, tu vois bien qu'elle m'a mis un coup en traite, ton pote. Et toi, tu vas voir ce que je vais te faire. Cette meuf, c'est un bonhomme. Quelle meuf? Ça va, monsieur? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi. Alors, c'est vrai. Ça va, Roya? Tu l'as dans le vent? Ça va, famille, ça va? Voilà, tata Karima, elle va bien. L'oncle, ça va? Tonton Béchiri. La maman, ça va? La famille, ça va? L'oncle, le bled, le chien, il va bien? Oui, oui, oui. Ça va, le chat, il va bien? Le tonton du bled, il va bien? Il va bien, Béchiri. Eh ben, ça va. Tout le monde va bien. Et toi, tout le monde va bien? Moi, ça va, tranquillement. À part un mec qui tape en traite pour une petite bagarre. T'inquiète, c'est des petites couilles. Non, franchement, j'ai voulu prendre une boule de neige. Pas de couilles, oh, attends, attends, je vais te montrer la boule de neige, regarde. Tu peux me soigner un petit coup? Non, laisse-moi juste me requinquer. Je paye pour toi. Merci, mon pote. T'inquiète, vas-y. J'espère que ça va partir en... Toi, je vais te niquer ta race, t'es pas prêt. Ouais, mais c'est ce que les sauces de PL5. Je vais te faire vivre des trucs que t'as jamais vécu de ta vie.
Genre la vête ta mère. Je vais te faire vivre des trucs. Genre la vête ta mère. Que même toi, voilà, tu vas dire waouh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Je vais te faire vivre des trucs.